Là, j'ai coupé encore la vidéo, mais je vais concaténer l'ensemble après pour vous offrir soit la version splittée, soit la version libre, complète, je veux dire. Parce que la problématique, c'est si vous ne me dites pas si vous préférez que ça soit coupé ou pas coupé. Fait que bah, je vais utiliser finalement les métriques que me donne YouTube. Hein. On va se le faire à la DevOps avec la collecte d'informations et l'extrapolation de l'information. Hein. Voilà, hein. Donc, on a le réseau. Donc, on a les clés SSH de présent. Le problème, c'est que notre site web, on n'ira pas chez loin avec ça, parce qu'on n'a pas de processing power de présent. Donc, il va nous falloir qu'on mette maintenant des instances EC2 à l'intérieur. Bien sûr, là, je pars du principe que vous connaissez AWS, donc juste pour dire, on ne peut pas installer une machine à la main, il faut qu'on utilise une image déjà prédisponible par Amazon. Donc, on va devoir prendre une AMI, Amazon Image, pour pouvoir le faire. Donc, on l'avait déjà vu ça rapidement lors du test de connectivité au tout début. Ici, donc, dans le cas présent, je fais une recherche de l'AMI, de l'image Amazon pour Ubuntu Xenal, pour pouvoir récupérer l'information, pour pouvoir après faire instancier cette machine. Donc j'utilise la ressource AWS AMI qui lui va permettre de faire en data. Donc là, la différence, c'est vrai. Avant, je définis une ressource qui va être créée et là, en fait, je fais un data pour en fait faire de la recherche d'informations. Ici, je définis qu'un doit être, je vais prendre la plus récente s'il y a plusieurs retours qui est donné et je vais filtrer par le nom que je désirais avoir. Comme je disais, hein, honnêtement, je l'ai pris sur le net, ici où j'ai trouvé l'information et je me suis inspiré de ça. Ben, inspiré, j'ai copié-collé, on va se le dire. Donc, on va tomber dans la création de l'instance EC2. Je vais commencer par la page web, car c'est le plus simple et surtout parce que je n'en ai qu'une à devoir créer. Donc, grosso modo, ça c'est le résultat qu'on va avoir. L'instance WebTera créée dans le VPC global, dans le subnet public 2A et avec trois security groups permettent la communication depuis l'extérieur sur l'instance, permettent l'administration par l'administrateur, wow, et permettent la communication vers l'extérieur afin de me permettre d'installer l'ensemble des utilitaires et s'il y a des communications vers l'extérieur que je devrais avoir. Okay. Est-ce que j'ai fait un checkout à ce niveau-ci? Oui. Okay. Je vais juste faire ça. Git. Le set. Hard. Maintenant que je vais le faire, on en profite. Checkout. Maintenant que nous l'avons appris ensemble, finalement. Okay. Donc je reprends. Ici, je changerai les critères. Donc ici, je vais chercher l'AMI que je vais vouloir utiliser, l'image, Linux. Et ici, en fait, je vais faire l'association des différentes informations. Donc, on prend. Je définis que je veux une ressource, une instance, une ressource de type instance que je vais nommer WebTera. Donc ça, c'est vraiment moi qui ai décidé. Je vais chercher l'AMI, donc l'image provenant de Data Ubuntu. Donc, si on remonte un petit peu, c'est vraiment le Data AWS AMI Ubuntu. Et lui, en fait, lui, ce qu'il s'attend à voir, c'est le ID. Donc, le numéro unique qui est unique dans n'importe quelle région, d'où le fait que je mets le point ID pour aller chercher l'information. Je vais instancier une machine de type T2 Micro, parce que je suis radin et que je ne veux pas que ça me coûte cher. Mais bon, là, après, je vous laisse explorer les différentes possibilités. Je définis une paire de clés qui va être installée par défaut. Enfin, là, vous vous rappelez. AWS key pair, Ansible key, si je vais dessus. Et là, il dit, vous voyez, je prends la variable key name, donc le nom de la clé. Hop. Pouf. Donc, ça va être
ici qui va mettre la définition. Donc là, vraiment, donc, quand je fais la création de l'instance, c'est plus du raccorder les différentes parties pour pouvoir faire la configuration. Je vais lui associer une adresse IP publique. Comme je dis, le problème, c'est que si je ne fais pas ça, je ne pourrais pas communiquer sur Internet, je ne pourrais pas me loguer dessus, vu que je n'ai pas une infrastructure avec le gateway, etc., qui va me permettre de le faire. Donc, d'où le fait pourquoi je lui mets une adresse IP publique directement. En même temps, là, c'est le serveur web, je vais sûrement vouloir ça. Même pour les utilisateurs. J'ai mis différents tags, hein, libre à vous. Et ici, maintenant, je mets une liste de security group que j'ai préalablement créée. Donc là, on s'en rappelle. Encore une fois, vous voyez, c'est des ID qui s'attend à avoir. Donc, hop, paf, 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 je mets les ID. Et je définis qu'est-ce qu'il fait avec le disque dur, finalement. Là, ici, je rajoute un block device hein, de 10 gigs, volume size 10 gigs. Et à la fin, je lui dis, bon, quand je détruis, quand je termine l'instance EC2, ben, je lui dis, ben, tu détruis tout, tu fais du ménage parce que je ne veux pas avoir de facturation. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et à ce moment-ci, je vais avoir en fait mon instance. Sauf que, il faut que je change les credentials parce que ceux qui sont là. Ça va là. Ok, parfait. Je vais fermer Terraform plan. On va regarder. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Là, on se rappelle, j'ai pas fait le destroy là, suite à la création de mes subnets. Donc, par le fait même, hein, j'ai fait. Ah, il va me faire un refresh parce que. Ah, ça, c'est très intéressant. On va voir le comportement. Si je vais ici, donc j'ai pas fait le delete. Okay. Donc, mes instances sont encore présentes, mais la problématique qui est située, si on peut dire, c'est que. Ce qui est les ID qui sont dans AWS et le fichier Terraform. Donc là, on est en. Je ne sais pas pourquoi. Bah, il a mis cette date-là quand est-ce que j'ai fait le reset. Mais les informations à l'intérieur du fichier Terraform State ne concordent pas entre les deux. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai quoi? BD à Subnet. Bon, j'ai la même information, mais la problématique. C'est que c'est pas, ça ne concorde pas à cause de mon git reset que j'ai fait. Ce fichier-là a été créé préalablement, d'où le fait qu'il va me dire qu'il va les ajouter tous. On va faire le Terraform à plat. En fait, et c'est pour ça que je vais revenir dessus un peu plus tard. Je vais juste faire un yes. Allez, 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 allez. Est-ce que je veux changer de page? Yes. Ici. Dans le training, dans le next, qui est vraiment juste des notes brutes, il y a if statement, how to use Terraform as a team. En fait, ça a été un des points de référence que j'ai pris. Et dessus, en fait, ils expliquent comment réussir à faire en sorte à partager ce fichier d'état. Et la majorité des gens utilisent S3. Et il y a un autre utilitaire qui fonctionne exactement comme Terraform, qui s'appelle TerraGrant, si je ne me trompe pas, TerraGrant, qui justement permet d'avoir un fichier en partage d'équipe en fait. On voit, c'est un team wrapper, extra tool to keep Terraform configuration working with multiple Terraform utilisations. En fait, c'est ça vraiment l'idée. Et qu'est-ce que j'ai? Voilà, c'est ça. Et c'est exactement la problématique qui va se produire quand on a ce fichier d'état qui est partagé de l'un à l'autre et que en fait, il va trouver la même définition, mais il va donner l'erreur 400 parce que ben il dit je devrais le créer, mais il est déjà là et donc là, ça lui cause problème.
Et donc là, il faut faire un, il y a un Terraform Refresh qui est possible, qui va me permettre de rafraîchir ce que j'ai dans ma définition courante avec ce qu'il y a dans le dedans de l'Internet. Là, en fait, là, je stresse un peu parce que je pense que ça ne marchera pas. De mémoire, ça marche pas parce qu'il faut vraiment que je lui spécifie. Là, il me dit les 7, mais je suis pas mal sûr que ça marchera pas. Voilà, c'est ça. J'ai les mêmes erreurs. Et quand je lui dis le refresh, il faut que je lui spécifie clairement celui que je veux. Et c'est là que on va aller voir Git Terraform AWS. Et en fait, ça, cette configuration ici quoi, que j'ai, c'est mes notes personnelles. En fait, ça, c'est quand j'ai exploré comment j'allais faire pour travailler avec ça, en fait. Et là, je fais un refresh. Refreshing, non, c'est pas ça. Et là, vous voyez, en fait, comment... Et voilà. C'est là, ça, c'est mes erreurs, donc... Ah, j'ai eu l'erreur suivante. Ça, c'est mes notes à moi. Hein. Là, vous voyez vraiment la partie brutale, en fait. Brut, brut, pas brutale. Okay. À chaque fois que je fais apply, erreur de clé, papa, en fait, il faut importer la ressource et non faire le refresh. Bon. Mais le problème, c'est que je m'étais constaté que je ne pouvais pas faire un import simple. Et non, voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut que je fasse... C'est que je spécifie chacun des entrées que je veux avoir. Ce qui est assez ennuyeux. Donc, bon, si je prends lui. Hello, Security Group. Ok, ils sont tous là, en fait. Alors, on va faire l'exercice sur un. Import. Paf, tiche. Voilà. J'ai toujours dit, hein, j'aimais ça montrer les erreurs. Import key. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut pas. Imports. Ah oui, en fait, il faut que je dise le type et le ID qui vient avec. Et là, pour le network, le ID c'est AWS Security Group. Ici, adresse plus le ID. Mais si j'ai pas le ID. Ah, c'est ça, là il va falloir que j'aille chercher le ID pour pouvoir m'en sortir. On va juste voir. Pouf, Group ID. Juste pour voir. Et voilà. Maintenant, il s'est bien apporté convenablement. Ça marchera pas parce que j'avais les autres qui étaient aussi problématiques. On va juste confirmer. Et voilà. Donc là, on voit bien, en fait, je ne suis plus qu'à 6 maintenant d'ajout. Et il va changer, détruire et recréer pour avoir le ID en conséquence. Donc là j'ai les autres erreurs. Invalid group duplicate. Allo web. Ouais, enfin, bon, allez, on va tous les faire. Je vais tous les faire parce que je pense que c'est quand même assez intéressant. Il y aurait probablement moyen d'automatiser ce processus. Est-ce que j'aurais pu faire un destroy? On va essayer, tiens, on va essayer le destroy. Est-ce que je pourrais tout supprimer et repartir? Excusez, hein, mais en fait, c'est assez intéressant parce que finalement, la problématique que je vous montre là, vous pouvez la voir aussi, quoi. Donc là, mais je pense que ça marche pas. Allo web, paf, paf, paf. No Security Group, parfait. Et maintenant, si je fais le Apply, déjà, est-ce qu'il a réussi à tout supprimer? On va faire un refresh ici. Vous voyez, il n'a pas réussi à supprimer les autres parce qu'il n'avait pas la définition dessus. Donc, je vais avoir la même erreur qui va se représenter. Et en fait, ce n'est pas plus mal, finalement, parce que vous avez une certaine forme de protection qui est là, qui va vous permettre de faire en sorte que... Ben, s'il y a une erreur qui se produit, vous n'allez pas casser la définition que quelqu'un d'autre il a fait.
mais la présence ou l'utilisation du partage du fichier d'état est d'autant plus critique dans la situation présente. Donc là j'avais, donc ça c'est bon, j'ai le même problème pour les subnets finalement aussi. Le MySQL internal n'était pas problématique, ça sera pas bien long. Les subnets, est-ce que j'aurais pu, comment j'aurais pu solutionner sinon la problématique? Là je suis en train de les réimporter. Je pense que ce que j'aurais pu faire aussi, c'est faire un data pour aller chercher l'information. Donc, faire une collecte de voir si c'est déjà présent, de les supprimer ou de les manipuler. Ma problématique avec cette solution, c'est que ça veut dire que j'ai pas de filet. C'est-à-dire, si quelqu'un l'a créé avec le même nom, que je fais une recherche, attends, private 2, ça c'est le bon? Non, ça c'était l'autre, excusez. Allez, là, j'aurais vraiment une question quand même pour vous. Vous me direz si ça c'est pertinent quand il y a des erreurs. J'aimerais ça un petit commentaire. Ah, c'est cool, conserve les erreurs. Parce que l'autre option, c'est que j'essaye de faire ça super lisse, que ça marche du premier coup. Parce que si ça marche pas, j'arrête la vidéo puis j'en remets. C'est une autre option. Moi, je trouve intéressant d'avoir les problèmes. Même que ce soit le git reset hard. Que celui-là qui sait tout et qui se trompe jamais, puis que ça marche tout du premier coup, me lance la première souris ou le premier laptop. Donc, hop. Et là, on va faire le apply. Normalement, j'ai tout réimporté de ce qu'il y avait. Donc, je me retrouve dans un état cohérent. Ah, le git reset hard. Il faudrait peut-être que je détruise avant. Hop. Finalement. Parfait. Il refait les security groups pour qu'il se retrouve dans son état. Destruction complete after 1 second. Et là, il y a un oui, parfait. Donc là, ça marche. Et là, on voit, il est en train de faire la création de mon instance EC2. Ah, c'était ça l'objectif, hein, l'origine. Au-delà de ces problèmes techniques, nous nous excusons de la problématique. Boum. Et là, j'ai encore une erreur à cause du internal. C'est cool. Donc, en fin de compte, il a quand même réussi à faire l'instance. Je pense qu'on va l'avoir. Je vais faire l'importation de la dernière, du dernier security group. Ouais, j'aurais pu aussi le supprimer à l'intérieur d'AWS, puis tout repartir, hein, faire une sélection globale. Je pense que, bon, on voit plusieurs aspects intéressants. C'est sûr que ça pollue un peu la vidéo, si je puis dire, mais bon. Import. There we go. Bon, j'ai fait un petit destroy. Attends, on va regarder si l'instance EC2 a été générée. EC2 dashboard, donc, ah. Allez, il roule. Elle roule. Donc, ok. Donc, on voit que mon instance EC2... Non, je détruis. Voilà. Allez, bulldozer. On arrache tout, on recommence. Parce que ça sera pas long, de toute manière. Attends. Ah. Paf. Donc, il va détruire les 7 ressources. Et je vais rerouler l'applicatif, mais cette fois-ci avec time. Pour voir un peu... le temps qu'il prend pour faire la création. Ah, c'est sûr que le plus long, c'est pas construire le réseau, hein, c'est vraiment la partie EC2 qui est la plus longue, comme on peut le voir au niveau de la création et de la suppression. En même temps, on a régulièrement une mise à jour de Terraform pour nous dire l'avancement du processus, donc on se retrouve pas à se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment. Moi, c'est quelque chose qui m'ennuie beaucoup quand on est là en train d'essayer de voir. Pourquoi il me dit encore ça, lui? Found a duplicate. Bon. Donc là, ici, si je fais le refresh, ben là, il me dit terminate. Et ben, je vais vous dire que... Ah, putain. Je vais la supprimer à la main parce que... Ok, ben elle est supprimée.
Error, revoke. Donc là, si je fais un destroy, normalement, il n'y a rien à supprimer. Donc, bah, yes. Ok, 01 destroy. Maintenant, je vais refaire le apply. Time. On va voir le temps qu'il va prendre. En espérant qu'il n'y a plus d'erreur cette fois-ci. Ah, yes. Ah là, on perd des secondes. Non, c'est... je rigole. Ah, il doit avoir moyen de mettre -y. J'avouerai qu'à chaque fois, je le... Yes. Mais c'est là qu'on voit que c'est la première fois que je donne la session, parce que quand ça fait plusieurs fois, tu as les petits trucs comme ça, tu mets le -y, le petit paramètre qui fait que c'est beau. Et pendant que ça tourne, j'ai vu une vidéo où les gars, ils parlent d'une application, c'est... un visualisateur dit d'image, ok, donc c'est pas il utilise SXvid, XVid, ok, qui a l'air super intéressant en fait pour visualiser des images, mais en fait le gars, parce que moi j'ai toujours considéré que ah bah là j'ai pas le X qui est là, ok, bon, excusez-moi, mais en tout cas ce gars là qui faisait, il a mis la petite vidéo en bas, et c'est vrai que c'était marrant de voir son visage, en fait c'est son excitation pendant qu'il était en train de montrer le truc, et j'ai presque été tenté, hein. Peut-être qu'avec le temps ça va peut-être finir par venir un jour. Bon, voilà, en moins d'une minute, donc 53 secondes, si on va mettre ça, comme je disais, Terraform temps, hop, EC2 web. Encore moins d'une minute. Maintenant, je suis retrouvé avec mes security group qui était présent. Et si je regarde, maintenant, j'ai mon instance EC2. Bon, là, elle est encore en train d'être supprimée. Je vais cliquer dessus. On voit l'adresse IP donc, qui est présent. Monitoring les security group qui ont été. L'adresse IP qui est bien dans le 76, donc qui est bien dans le segment réseau que j'avais défini. Donc là, j'ai l'ensemble de ma machine. Si je me connecte maintenant, je pense que c'est ça que je faisais. Création des instances BD. Ah ouais, lui, c'est moi, quoi. On va regarder. On va juste valider que ça marche. SSH, moins I, parce que je vais lui spécifier la clé SSH que je vais avoir. Ansible. L'utilisateur par défaut pour cette instance, c'est Ubuntu. Et maintenant, pif. Ah oui, yes. Permission denied. Bad permission. Ah ah ah. Pourquoi? Parce que SSH restrict le fait. Ici, les permissions ne sont pas bonnes. Je pense que normalement, il les donne. Is to open. Oh, ok. Je pensais qu'il allait donner other égale rien et group égale rien. Voilà. Parfait. Donc, ça, quand vous aurez l'erreur, vous aussi. Et voilà, maintenant je suis connecté sur la machine dans AWS et j'ai les permissions complètes pour faire ce qui me chante. Voilà. Bon, honnêtement, je pensais avoir fini les instances EC2 puis qu'on puisse commencer avec l'intégration avec Ansible. Je vais peut-être faire un... Je fais la connexion. Ok, on va le faire rapidement. Un truc super rapide. Okay. Bon. Donc là, j'ai mon instance web qui est disponible. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est aussi la création de mes instances BD. Je vais avoir deux serveurs dans le BD privé. Est-ce que je devrais couper? Ok, on s'en fout. Donc, je ne vais pas couper la vidéo. Donc là, grosso modo, c'est exactement la même chose. Avec deux instances.